parler d'un vulgaire colis qu'on aura acheté pour lui. Comment pouvez-vous fermer une école que l'État s'est battu à ouvrir pour instruire notre progéniture? Nous n'avons pas le droit de poser certaines questions. C'est lui l'homme. C'est lui qui décide pour nous et pour nos enfants. Nous, notre travail, c'est d'accoucher seulement. Ces rêves sont toujours faciles à bafouer. Tout ce que vous me dites là, je ne suis pas dedans. Martha est le patrimoine de mon mari. Je ne rentre pas sans ma co-épouse. Laisse-moi la chercher, ma co-épouse. Je rentre avec elle. Des fugitifs. Notre amour a fait de nous des fugitifs, Pierre. Jusqu'à quand? Vous ne voyez pas qu'elle est fatiguée, traumatisée? Vous comptez en faire quoi dans cet état? Malheur à vous, vous et Molly. Vous qui salissez cette forêt, vous aussi vous allez mourir. Pourquoi lorsque les choses se passent comme on veut, on croit en Dieu, on proclame notre foi. Mais lorsque se déroule autrement, on se détourne de lui, on cesse de croire. Alors que c'est à ce moment même que nous devons fortifier notre foi pour qu'il agisse, maman. Tu pourras me faire l'amour de force, encore et encore, mais jamais, encore jamais, tu n'atteindras mon cœur. Ono Mwami, Aramba min kende min nyale, mire butaso. Yaboulama ne mire butaso, we. Coucou, coucou à toute la diaspora gabonaise du côté d'Accra. Alors, c'est Melchior Obiang. Donc, cette vidéo pour vous dire que j'arrive là-bas pour la projection de mon nouveau film qui aura lieu le vendredi 22 septembre. Alors, pour une fois, nous allons nous retrouver. Les autres projections se sont souvent faites sans moi. Mais pour Martha, la septième épouse, ben, j'arrive et je serai content d'être avec vous. Donc, j'arrive avec mon équipe. Allez, à très bientôt à Accra le 22 septembre et venez nombreux avec toutes les autres communautés qui vivent là-bas. Ce sera une belle fête.